gouverner, c'est un art difficile, c'est un art complexe, c'est un art qui varie suivant les personnes, les dirigeants, les populations à diriger et les époques. Dans la paracha que nous allons lire cette semaine, Baalotecha, on nous donne un certain nombre de règles aptes à nous procurer ce que l'on appelle la bonne gouvernance. Dieu dit à Moïse, fais pour toi deux trompettes en argent d'une seule pièce. Vayu lecha, et seront pour toi. Les mikra aeda, pour appeler le peuple. Ulmasa et amachanot, et pour impulser le déplacement des camps. Vetik ubahen venoadu lecha kol aeda, el petacho el moed. Ils sonneront dedans et toute l'assemblée apparaîtra devant toi à la porte de la tente d'assignation. Et si c'est seulement avec une qui sonne, là ce seront les princes d'Israël seulement qui apparaîtront. Raché alfe Israël, ceux qui sont à la tête des milliers et des myriades d'Israël. On voit donc, nous disent nos maîtres, trois règles de gouvernance que l'on peut déduire de ces versets. La première, comme l'enseigne Rashi, Asé lecha, fait pour toi, Michelcha, de toi. C'est-à-dire, c'est toi qui les fabriques et c'est toi seul qui es à même de les user. Ce qui est bon pour un dirigeant et une génération donnée ne sera pas forcément bon pour un autre dirigeant et pour une autre génération. Chaque génération, nous disent nos maîtres, a les règles qui lui incombent et chaque époque diverge l'une de l'autre. Et donc, on apprend de là que ce qui a marché dans une génération donnée, ne sera pas forcément apte à faire fonctionner le peuple dans la génération suivante. La seconde règle, c'est qu'on nous apprend qu'il s'agit de rassembler le peuple. Et pour cela, on va sonner avec deux trompettes. Par contre, lorsqu'il s'agit de rassembler seulement les dirigeants, avec une seule trompette. On nous apprend donc que la manière d'agir, de gouverner sur les cadres dirigeants, n'est pas la même que la manière de diriger, de parler à la population. On ne s'adresse pas de la même manière aux dirigeants et à ceux qui sont dirigés. Il faut avoir des langages divergents, non pas des langages qui soient dichotomiques, qui soient différents l'un de l'autre, non, simplement des langages qui soient adaptés à chaque type de population. On ne parle pas avec des universitaires de la même manière que l'on parle avec des cols bleus. Chacun a un langage qui se doit de lui être propre. On se doit de respecter tout à chacun et de lui parler avec un langage qui soit même de comprendre, d'intégrer et donc de faire sien. La troisième règle, c'est parce qu'il est marqué Uve akil et akal titkeo velotariu. Lorsque vous rassemblerez la communauté, vous ferez des sonneries, mais pas des sonneries tristes. Et on apprend quelque chose de très important. Si tu es joyeux, si tu es heureux, tout le monde est joyeux avec toi. Pour rassembler la communauté, il faut le faire autour de la joie, autour de la simcha. On ne rassemble pas la communauté autour du malheur, autour de la souffrance. Non, ça c'est pas un mode de rassemblement de la communauté. Rassembler la communauté, ça doit se faire dans la joie, dans l'envie de servir Dieu, dans l'envie d'être proche d'autrui, dans l'envie de pouvoir apporter à l'autre et donc de pouvoir apporter au Créateur. Et donc ces trois règles, on les apprend simplement de ces deux versets. On apprend que chacun se doit d'avoir le mode de gouvernance qui lui convient. Chaque génération est différente l'une de l'autre. Que finalement, on ne s'adresse pas au cadre dirigeant de la même manière que l'on s'adresse à la population. Et troisièmement, que finalement, pour pouvoir servir Dieu, pour pouvoir se rassembler, créons des occasions joyeuses, non pas des occasions futiles, mais des occasions de joie, la joie de la Torah qui, elle seule, nous permet de nous réunir et nous permet de croire réellement en le lendemain qui chante. Shabbat Shalom. Thank you.
Thank you.